Je pense qu'au début, le Missy, ça s'adressait à un public amateur de l'Écosse, de l'Irlande. C'était réservé à une petite tribu, on va dire, quoi. Et puis, la diversité du whisky, la complexité de cet alcool, pour moi, c'est le seul alcool le plus complexe hein, qui soit, dans toutes ses tonalités, dans toutes ses versions, a fait que de plus en plus de gens se sont intéressés. Et puis, maintenant, depuis 25 ans, on peut dire que bon, ben, ça ne cesse de croître. Il y a de plus en plus d'amateurs, de plus en plus jeunes, hein, des gens qui ont 25 ans dans le monde du whisky, c'est fréquent et ils ont une connaissance très pointue du whisky, peut-être plus pointue que leurs aînés, parce que pour eux, c'est devenu un art de vivre. Ça a toujours été un art de vivre, mais c'est devenu même plutôt un mode de vie important. Il y en a qui ne pensent qu'au whisky, quoi. Hein, il suffit de voir les salons, les whisky live qui s'organisent, les blogs, les sites internet, enfin, tout ce qui traite du whisky, c'est devenu maintenant très très important. En saveur, en arôme, en goût, de ce qui va être extrêmement floral et léger à ce qui va être très terreux, il y a toute la panoplie, il y a une diversité de goûts vraiment très très grande. Le cognac, on parlera de notion de terroir en cognac avec la grande champagne, la petite champagne, mais c'est un cépage avant tout, donc on va retrouver quand même une grosse unité. On va aller vers plus de puissance, ou plus de richesse, ou plus de complexité. Entre un whisky du sud de l'Écosse, un whisky de l'île d'Islay au sud-ouest de l'Écosse très tourbé, un whisky du sud très léger, les whiskies vieillis en fût de Rérès, qui vont flirter avec l'univers des cognacs et des armagnacs. Les Irlandais, les Américains, par leur mode d'élaboration, il y a plein de différences, quoi. Et c'est ce qui fait la force, à mon avis, du whisky. Cette diversité, chaque personne a son whisky. Il y a des gens qui disent ne pas boire de whisky, souvent avec des mauvais souvenirs. Le whisky n'est pas forcément toujours très bon, dégusté étant jeune. Mais parfois, elle redécouvre 20 ans plus tard le whisky. En goûtant un single malt particulier, ils disent, ah, c'est ça le whisky, je pensais pas. Donc, en fait, elles aiment le whisky simplement, elles aiment les bons whisky.